Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Charles Aubourg, je suis professeur à l'Université de Pau et j'ai le plaisir d'animer ce débat qui est sur le progrès technologique et son impact sur l'environnement. C'était un débat qui était prévu avec trois orateurs, mais donc un des orateurs n'a pas pu venir et on limitera donc le débat sur l'impact sur l'environnement. Donc je vais tout d'abord présenter les deux orateurs. Donc il y a un petit décalage avec la présentation. Donc je commence. Donc nous avons ici assis à droite Benoît de Guibon, qui est ingénieur de formation. Voilà, ingénieur de formation, donc qui a un parcours très diversifié. Il a travaillé dans la recherche, il a travaillé dans l'enseignement, il a travaillé aussi dans des grands groupes industriels comme Saint-Gobain, dans des PMI au Venezuela, aux États-Unis. Et depuis 20 ans, il travaille et il dirige l'APESA, qui est un centre aquitain donc, sur l'étude de l'environnement et du développement durable. Donc Benoît de Guibon a publié deux livres qui sont un petit peu dans la coloration du débat de ce soir. Donc un livre sur le « Quel futur pour les métaux ?» et un autre sur l'éco-économie. Notre autre orateur, c'est donc Jacques Lecacheux, qui est professeur à l'UPPA, à l'Université de Pau, donc depuis 20 ans, et donc qui est économiste. Alors, il a une formation de scientifique et il est devenu économiste. Et puis, Benoît de Guibon, il est scientifique et il a un petit peu dérivé vers un petit peu sur des aspects sociétaux. Donc, Jacques Lecacheux enseigne donc à l'Université de Pau, il enseigne aussi à Paris. Dans plusieurs endroits à Paris, alors je prends mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises, donc à Stanford University à Paris, à l'École nationale des ponts et chaussées et à la European Online Academy. Donc Jacques Lecacheux est chercheur à l'Observatoire français des conjectures économiques depuis 1983, donc il travaille principalement, et là je lis mes notes aussi pour ne pas faire de bêtises, sur la macroéconomie appliquée et les aspects économiques de l'intégration européenne, la fiscalité et l'économie de l'environnement. Donc il a été notamment l'un des rapporteurs de la commission Stiglitz-Fitoussi en 2008 et 2009. Donc il a publié deux livres qui vous voyez sur l'écran derrière moi. Donc un livre sur l'économie de l'environnement et économie écologique et un autre livre sur un nouveau monde économique, donc mesurer le bien-être et la soutenabilité au XXIe siècle. Voilà, donc voici pour la présentation donc, de nos deux orateurs. Alors le débat, comment va-t-il se dérouler? Donc le progrès technologique, c'est quelque chose, on peut beaucoup dire sur le progrès technologique et son impact sur l'environnement aussi, c'est un thème très vaste. Donc on a décidé de restreindre ce débat en trois points. Tout d'abord, on va discuter très brièvement, je vais vous donner quelques exemples qui me paraissent intéressants sur le progrès technologique et chacun des orateurs va donner son avis pour savoir quel est le point qui lui semble le plus pertinent pour dire que c'est un bienfait pour l'humanité et éventuellement aussi quelque chose de nocif pour l'environnement. Et ensuite, on va regarder le progrès technologique donc, pour voir sa nocivité éventuelle sur l'environnement à travers deux prismes. L'un sur les révolutions agricoles, qui sera plutôt le thème de prédilection de Jacques Lecacheux, mais donc Benoît pourra aussi intervenir sur ce domaine-là. Et ensuite, donc, un autre sur la raréfaction des ressources naturelles. Bien, alors donc ce débat, on va avoir à peu près 45 minutes de débat. Donc ensuite, ce débat va être filmé. Et à la fin de ce débat, donc, j'ouvrirai à peu près 15 minutes de questions. Donc on ne prendra pas de questions pendant ce débat-là. Voilà.
Bien, donc on va, pour commencer ce débat, donc j'ai choisi, après discussion avec différentes personnes ces derniers jours, quelques thèmes qui peuvent illustrer le progrès technologique. Donc la biotechnologie, la chaîne du froid, la robotisation, le transport et les multimédias. Donc là, je vais demander à chacun des orateurs de me donner son avis pour savoir sur ces cinq thèmes, lequel le paraît le plus pertinent pour décrire les bienfaits pour l'humanité, et puis celui qui, au contraire, impacterait le plus l'environnement. Et je vais commencer donc par Jacques, donc le cacheux. Oui, merci. Alors, bon, moi, je vais commencer évidemment par le plus évident, c'est-à-dire, si on prend les deux premiers, biotechnologie, chaîne du froid, on voit bien qu'on a là quelque chose qui a été un bienfait pour l'humanité tout à fait considérable. Et il faut pour ça peut-être juste prendre une perspective un peu longue. Si on prend une perspective un peu longue, qu'on essaie de se reporter à peu près un peu plus de deux siècles en arrière, disons fin 18e à peu près, il y avait à peu près un peu moins d'un milliard d'habitants sur Terre. Aujourd'hui, il y en a 7,4 milliards pour situer les ordres de grandeur. Et à l'époque, on avait un savoir scientifique extrêmement limité sur ce qu'étaient les maladies, la manière dont elles se transmettaient, etc., etc. Et encore moins de moyens de les soigner, du coup, forcément. Et on avait aussi une hygiène extrêmement restreinte, notamment en ce qui concerne la conservation des aliments, la propreté des eaux, etc., etc. Et la mortalité, ce qu'on peut mesurer par exemple par l'espérance de vie, bah, c'était en gros, l'espérance de vie, c'était aux environs un peu moins de 50 ans. En deux siècles, non seulement l'humanité a multiplié dans des proportions que je viens d'évoquer, c'est-à-dire on est passé de un peu moins d'un milliard à un peu plus de 7 milliards, on verra tout à l'heure que ça, évidemment, ça a aussi des impacts sur l'environnement, mais aussi on a augmenté considérablement l'espérance de vie. L'espérance de vie aujourd'hui, dans des pays comme la France, c'est presque en moyenne, disons, entre hommes et femmes, c'est environ 80 ans. Donc ça a augmenté, en gros, d'une trentaine d'années. Et l'essentiel de cette augmentation, elle est attribuable, en gros, à ces deux premiers facteurs, c'est-à-dire à la fois une meilleure hygiène, meilleure, pour les meilleure conservation des aliments, meilleure hygiène pour l'eau, l'évacuation des eaux usées, etc. Et puis aux biotechnologies, évidemment, c'est-à-dire tous les progrès médicaux, tous les progrès de la science en matière de connaissance des maladies et en matière de traitement des maladies. Donc, Benoît ? Oui, alors, ça marche. Bonjour à tous. Je ne nie pas effectivement le fait qu'il y a des progrès technologiques extrêmement importants. Je vais quand même m'amuser à vous donner un petit peu de contrepoint de temps en temps. Et avec Jacques, on va pouvoir échanger. Effectivement, biotechnologie, chaîne du froid, il y a eu des améliorations extrêmement importantes. Santé, j'allais prendre l'assainissement, tout ça, il y a des améliorations extrêmement importantes. Le point que je voulais signaler, c'est qu'effectivement, il faudrait que ce sujet-là soit un peu pour tous. Et notre problème, peut-être aujourd'hui, c'est que le projet technologique dans nos pays, on l'a, il n'y a pas de problème. Dans les pays développés, il n'y a pas de problème. Quand on regarde que, malgré des efforts importants, il y a encore 30% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'assainissement. Les toilettes, ils ne savent pas ce que c'est. J'entendais hier sur la radio qu'il y avait une application en Inde pour savoir où on peut trouver des toilettes. On se dit qu'effectivement, ce progrès technologique, il sera vraiment utile à l'humanité quand tout le monde pourra en profiter au maximum. Enfin, il a été utile jusqu'à présent. Il a été utile jusqu'à présent, mais on a un enjeu. On a un enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à faire que tout le monde puisse en profiter. Alors, on débattait avec Jacques tout à l'heure, je lui disais encore 30%. 30%, mais c'est 60% il y a quelque temps, qui n'a pas d'assainissement. Ceci dit, 30% aujourd'hui avec 7 milliards de personnes, c'était l'équivalent de 60% il y a quelque temps. Donc il y a toujours 1,7 milliard, ou presque 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement. D'accord. Donc voilà, c'est le problème technologique, oui, mais comment on fait pour que ça soit pour tout le monde ? Pour résumer vos deux points, pour l'instant, pour tous les deux, sur ces cinq exemples, les deux premiers sont les plus importants les bienfaits pour l'humanité. C'est pas tout est un bienfait pour l'humanité. Le transport aussi.
L'enjeu de notre discussion, je pense, c'est pas de dire effectivement on va pas revenir à l'âge de pierre, on va pas revenir à plus de voitures, plus de robotisation. C'est de se poser la question par rapport à ce projet technologique. Finalement, il a quelquefois des effets. Alors, on parlera tout à l'heure des effets nocifs sur l'environnement, mais il a des effets globaux. Et le premier élément que moi je voulais amener comme élément de discussion et à débattre, c'est de dire effectivement comment on fait pour que tout le monde puisse en profiter et que les 30% de la population qui n'ont pas accès à l'assainissement, et je pense que c'est quand même important dans notre pays, on n'imagine même pas ça, puissent avoir accès à ça, puissent avoir accès aux biotechnologies, puissent avoir accès à la chaîne du froid et donc à la santé. Jacques ? Oui, non, mais je nie pas cette inégalité très importante qui existe encore aujourd'hui. Simplement, ce que je voulais peut-être souligner, c'est que ce progrès se diffuse lentement. Il ne faut pas oublier que dans nos propres pays, il y a 60 ou 70 ans, la plupart des gens n'avaient pas de toilettes dans les maisons, etc. etc. Donc, tout ça se fait, évidemment, à des rythmes inégaux dans les différentes régions du monde. Les pays riches en profitent évidemment beaucoup plus que les pays moins riches. Les riches dans les pays riches en profitent plus que les pauvres des pays riches, etc. etc. Donc les inégalités face aux bienfaits du progrès technique, elles existent. Et c'est pas, évidemment, la question n'est pas de les nier ou de les minimiser. Mais simplement, l'idée, c'était de dire, quand on regarde, au fond, sur une période assez longue, comme par exemple les deux derniers siècles, et qu'on essaie de voir quel genre d'effet ça a eu sur la vie des gens, mais pas seulement sur l'humanité en général, mais sur la vie quotidienne des gens, hein, sur la qualité de vie, on pourrait dire, et sur le bien-être des gens. Là, je dirais quand même que ces deux premiers éléments, c'est-à-dire chaîne du froid et biotechnologie, ça a eu un impact absolument massif. Quand vous voyez, par exemple, je parlais de l'espérance de vie, mais si vous regardez par exemple aussi la mortalité infantile et périnatale, etc., etc., c'est-à-dire vous regardez par exemple le pourcentage d'enfants qui mouraient en bas âge ou à la naissance et le pourcentage de femmes qui mouraient en couche ou juste après les couches jusqu'au début du XXe siècle. Et vous le comparez avec les pourcentages qu'on observe aujourd'hui dans un pays comme la France où la mortalité infantile aujourd'hui, c'est à peu près 4 ou 5 pour 1000, ce qui est encore beaucoup trop peut-être, mais qui est infiniment moins que le début du XXe siècle où on était de l'ordre de un tiers, par exemple. Mmh. Donc il faut avoir toujours présent à l'esprit aussi ces dimensions-là qui sont quand même massives. Et encore une fois, c'était pas seulement une question d'inégalité, c'est-à-dire que les enfants de riches mouraient aussi. C'est-à-dire, on comprenait tout simplement pas comment il fallait faire pour les protéger de tous ces dangers. D'accord. Bien, donc aussi sur les trois autres exemples, robotisation, transport et multimédia. Alors transport, je vais mettre une petite musique un petit peu différente. Le transport, c'est une amélioration extrêmement sensible. Et à un moment donné, on commence à se poser des questions. C'est Jean-Pierre Dupuis, le philosophe, qui avait écrit, alors j'ai vu ça dans un livre il y a quelques années, que quand on réfléchit bien par rapport à une voiture, entre le temps que l'on passe dans sa voiture, le temps que l'on passe à entretenir sa voiture, le temps que l'on passe à gagner de l'argent pour acheter sa voiture, bah, il avait fait l'étude et puis on était presque à 20% de son temps réveillé à lié à sa voiture. Alors on se pose la question, est-ce que c'est... finalement, quand on n'a pas de voiture, on a 20% de temps en plus pour faire autre chose. Je pousse un peu le bouchon, mais c'est juste pour montrer qu'effectivement, et quand je dis le temps qu'on passe en voiture, à Pau, on n'a pas trop de problèmes parce qu'il y a bande d'embouteillages, mais quand on regarde autour de la région parisienne, on voit le nombre de personnes qui passent des heures entières coincées dans des voitures. On dit, tiens, est-ce que c'est vraiment le progrès ? C'est le progrès technologique, mais est-ce que c'est le progrès en général ? Parce que là, on parle du progrès, mais le progrès technologique, ce n'est pas forcément le progrès. Et puis alors, le multimédia, je vais vous encourager si vous n'avez pas l'occasion, si vous ne l'avez pas encore, il y a dans les intervenants qui vont intervenir dans les deux jours qui viennent, il y a Thierry Venin qui est professeur à l'université et qui a eu une réflexion extrêmement intéressante sur le numérique et l'utilisation du numérique.
Aujourd'hui, on commence à parler de droit à la déconnexion parce que c'est devenu un outil qui est tellement prégnant que les gens ne savent plus plus déconnecter. Donc là aussi, le discours, c'est la technologie, oui, mais n'allons pas trop loin. Et puis après, on va voir aussi que, pour reprendre ce que dit Jacques, effectivement, est-ce qu'on va être capable, avec les ressources que l'on a, de donner ces éléments de technologie à 7 milliards de personnes? Et ça, c'est un peu la question qui va se poser, c'est de dire, OK, si on dit à tout le monde a une voiture, ben, ça va faire beaucoup d'acier. Donc on en parlera un peu plus tard, puisque c'est le sujet de la réflexion des ressources. Très bien, donc Jacques, peut-être un mot là-dessus. Oui, je vais quand même dire un mot sur la robotisation, sinon la pauvre, elle va se retrouver toute seule. On a parlé des deux premiers, des deux derniers. Donc sur la robotisation, et je vais me faire encore, puisque tout à l'heure on parlera des impacts nocifs, pour l'instant on parle des bienfaits un peu. Sur la robotisation, bah évidemment, beaucoup de gens dans la salle, quand on représente une machine à laver ou quelque chose comme ça, évidemment que c'est un bienfait, que c'est un progrès. Quand on voit tout à l'heure, Benoît parlait du temps qu'on passe à sa voiture, mais combien de temps les femmes passaient-elles au ménage, à la lessive, etc., etc., avant l'invention de toutes ces machines merveilleuses qui ont quand même énormément allégé ces tâches-là. Donc ça, c'est quand même, je crois, un bienfait. Quand ce n'est pas dans certains pays, le temps a passé à aller chercher de l'eau à quelques kilomètres. Oui. Et donc, une partie de la journée est occupée à aller chercher de l'eau et à ramener de l'eau. Absolument. Donc, quand même, on va l'oublier. Très bien. Écoutez, donc là, on a fait un petit peu le tour de ces 5 exemples. Et je propose qu'on passe maintenant à la deuxième étape. Donc, et regardez... prendre cette fois le prisme des révolutions agricoles pour discuter de l'aspect progrès technologique et sa nocivité éventuelle sur l'environnement. Et donc, Jacques, tu as choisi 3 exemples ici, l'assolement, la mécanisation et les OGM. Et donc, bah, je pense, j'aimerais que tu décrives ça et peut-être Benoît pourra intervenir aussi. Oui, alors, très rapidement, pourquoi j'ai choisi ces 3 exemples? Parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle... Traditionnellement, on appelle ça les révolutions agricoles. L'assolement, c'est la première. On dit souvent que c'est la première révolution agricole, c'est-à-dire que à partir du XVIIIe siècle, on a commencé à développer des nouvelles méthodes de culture qui étaient fondées sur l'assolement, notamment donc l'assolement triennal, c'est-à-dire l'alternance de différentes cultures, etc. On a augmenté énormément de cette manière les rendements agricoles, et on l'a fait. Et c'est là-dessus que je voulais insister. On l'a fait d'une manière qui était, j'allais dire, respectueuse de l'environnement, respectueuse des contraintes de la nature, c'est-à-dire en jouant sur le cycle des différents éléments naturels. Et en ce sens-là, on peut dire que les deux révolutions agricoles suivantes sont très différentes. La deuxième révolution agricole, c'est celle qui correspond à l'introduction de la mécanisation, donc c'est la deuxième image, et aussi à l'introduction de la chimie. La deuxième révolution agricole, elle commence aux États-Unis à la fin du 19e siècle, avec les premières machines agricoles et avec les engrais chimiques et avec les premiers pesticides. Cette révolution, elle va se répandre d'abord en Europe au cours du 20e siècle, notamment après la Seconde Guerre mondiale, et puis progressivement dans le reste du monde, un peu partout aujourd'hui. Et elle est très différente de la précédente. Bien sûr, elle augmente les rendements encore plus peut-être que la première, mais à la différence de la précédente, elle est beaucoup moins respectueuse des contraintes écologiques et de l'environnement. C'est-à-dire que cette fois, on va, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire, en introduisant dans l'agriculture, des éléments qui ne viennent pas du milieu naturel, et de ce qu'on appelle la biosphère, en gros. Hein. Donc, d'une part, les carburants fossiles, d'abord le charbon, puis le pétrole. La mécanisation, c'est vraiment du pétrole dans l'agriculture. Et puis, d'autre part, la chimie, les engrais chimiques, les pesticides, etc. C'est-à-dire, là aussi, du pétrole. Hein. Et pour dire les choses d'une façon un petit peu brutale, on a peu à peu transformé l'agriculture en une industrie qui repose essentiellement sur l'utilisation d'énergie fossile, et qui émet du coup beaucoup de déchets, hein, à la fois des déchets en termes de carbone, etc., etc., et aussi des déchets en termes de pesticides, de produits chimiques, etc. Donc c'est très différent. Et quant à la troisième, qui est en route, qui est celle des OGM,
En Europe, comme vous le savez, on est un peu réticent sur ces questions-là. Mais dans le reste du monde, ça avance à une vitesse effrayante. Les OGM aux États-Unis, les trois quarts de la production de maïs et les quatre cinquièmes de la production de soja aux États-Unis sont OGM. En Amérique latine, au Brésil, en Argentine, etc., presque tout le soja produit est OGM. Or, ce soja, ce maïs, etc., OGM, évidemment, ça, dans un premier temps, ça augmente aussi les rendements, mais en même temps, là aussi, ça a des conséquences environnementales qu'on ne maîtrise pas encore. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Europe, on est un peu réticent. Et en même temps, on est un petit peu complice quand même de ce qui est en train de se faire ailleurs, puisque tout notre élevage animal en Europe dépend des protéines animales qu'on importe d'Amérique latine notamment, et donc du soja OGM notamment. Donc c'était ça un peu que je voulais mettre en avant, c'est ce changement dans l'agriculture et l'impact croissant qu'a l'agriculture sur l'environnement naturel du fait de ces nouvelles révolutions agricoles. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'une certaine manière, l'agriculture est en train de revenir à l'assolement, à l'agronomie. On voit maintenant des cultures intermédiaires, notamment légumineuses, qui permettent de remettre de l'azote dans le sol au lieu de mettre des engrais. Et on va être quelque part obligé de le faire à la fois pour des raisons environnementales, parce qu'on ne peut plus indéfiniment mettre des engrais ou des pesticides, et pour des raisons économiques, parce qu'effectivement, quand on dit, Jacques disait, l'énergie, le pétrole dans l'agriculture, la plus grosse partie de pétrole dans l'agriculture, c'est les engrais. C'est la production d'engrais. La plus grosse partie de l'énergie de l'agriculture, c'est la production d'engrais. Donc effectivement, à partir du moment où on va avoir, et on est en train d'arriver à des problèmes d'énergie fossile et de coûts d'énergie fossile, ça va augmenter de manière déraisonnable le coût de l'agriculture. Et donc on va revenir à des agricultures qui reprennent en compte le vivant, qui sont beaucoup plus circulaires et probablement beaucoup plus économiques. Oui, mais Benoît, ce revirement vers l'assolement, c'est dans quelle proportion aujourd'hui ? Aujourd'hui, des exemples, il se trouve que dans mon métier, j'ai l'avantage de travailler avec des coopératives. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs ici autour de Pau qui sont en train de basculer et qui se rendent compte qu'économiquement, ils gagnent à ne plus utiliser d'engrais et à plus utiliser pesticides. Et à l'échelle du mondial ? À l'échelle mondiale. En France, je pense que dans les 10-15 ans qui viennent, il y aura une agriculture complètement différente. À l'échelle mondiale, on va voir ce que vont nous faire les Américains, ça, j'en sais rien. Mais je pense que, quelque part, au niveau d'un pays comme la France, on a intérêt à revenir à cette agriculture, parce que là aussi, on est très dépendant de phosphates qui viennent du Maroc, d'énergie qui vient d'un peu partout dans le monde, de produits pour nourrir nos animaux qui viennent de soja, qui viennent du Brésil. Donc on est aussi, et ça c'est un enjeu de ce progrès technologique qui utilise plein de matières, c'est qu'on devient extrêmement dépendant géopolitiquement. Et quand je parlerai des métaux, vous verrez qu'effectivement c'est le cas. Jacques ? Oui, alors moi je suis un peu moins optimiste quand même, parce que pour l'instant, on n'est pas... Alors bien sûr ça existe, mais la question, c'est dans quelle proportion et dans quelle direction va-t-on ? Et pour l'instant, je pense qu'on ne va pas quand même vraiment dans cette direction-là. On voit bien qu'aujourd'hui, la mondialisation de l'agriculture, elle est loin de se ralentir. Elle va plutôt dans le sens de l'accélération. On échange de plus en plus de produits entre les continents. On est donc de plus en plus dépendant, mais aussi interdépendant. Et certes, il y a quelques réactions ici ou là, mais quand vous regardez à l'échelle mondiale, je vous dis, regardez comment sont produites les céréales et les protéagineux, le soja, etc., en Amérique latine, etc. Regardez d'où viennent les graisses végétales qui sont dans vos aliments, etc. Vous verrez que c'est l'huile de palme, que c'est... etc. Donc, tout ça, pour l'instant, ça va quand même encore très nettement dans la direction d'impact assez catastrophique sur l'environnement et à une échelle de plus en plus grande parce que, justement, la population est plus nombreuse. La population non seulement est plus nombreuse, mais majoritairement plus riche. Plus on est riche, plus on mange de protéines, plus on mange de produits animaux. Plus on mange de produits animaux, plus il faut d'hectares pour produire
les céréales, etc., pour nourrir les animaux. Et donc, on est dans une, pour l'instant, plutôt dans une direction quand même dont l'impact environnemental est préoccupant, je dirais. Alors, je vais être un peu plus positif. Moi, je regarde effectivement ce qui se passe au niveau mondial, et puis on se dit, oulala. Et puis après, je regarde ce qui se passe sur le terrain, sur les territoires, et j'ai l'avantage de travailler sur les territoires au quotidien. Et quand je vois des agriculteurs, quand je vois des coopératives qui ont, alors elles n'ont pas encore basculé, mais qui sont dans ces réflexions-là et on voit des choses, je me dis, oui, on va y arriver. Et je dirais que, effectivement, regarder ce qui se passe au niveau mondial, ça peut être très inquiétant. Regardez sur les territoires, alors les AMAP, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Les cuisines collectives qui commencent à faire des circuits courts. Il y a tout un tas de mouvements et je veux croire que tous ces mouvements-là vont finir par devenir significatifs. Oui, mais est-ce qu'on arrive à des rendements équivalents en revenant oui, à cette alors la réponse est très amusante parce que c'est un exemple que j'ai eu. Oui, on arrive à des rendements équivalents. Ou s'ils ne sont pas équivalents, un tout petit peu plus faibles, mais comme on consomme beaucoup moins d'intrants, ça coûte beaucoup moins cher et globalement, l'agriculteur s'y retrouve. Oui, la réponse, c'est pas... on peut le faire. Là aussi, même chose, on dit on laboure. Alors, laboure, ça veut dire du pétrole pour faire marcher des... On laboure profond, on détruit la terre. Aujourd'hui, en regardant ici dans le Béarn, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui font du sans-labour. On en voit de plus en plus, c'est des petites choses, donc ça va venir. Je crois aux petits ruisseaux qui font les grandes rivières, oui, mais pour l'instant, les grosses rivières sont quand même... Alors on va parler des métaux pour montrer effectivement... Oui, mais là, je voulais encore continuer un tout petit peu là-dessus, donc sur la mécanisation, par exemple, donc la robotisation pour la traite des... comme on voit sur l'image ici, ça c'est quelque chose qui est en train de se développer, ça allège la charge de l'agriculteur énormément, donc il y a un impact pour l'environnement, mais il y a une vraie question ici, puisque pour l'agriculteur, c'est un métier qui est de plus en plus difficile, et cette robotisation amène un confort pour l'agriculteur évident, donc là, quel est votre point de vue là-dessus, par exemple, Jacques ? Alors, je crois que là aussi, évidemment, on ne peut pas nier. Moi, vous savez, je suis fils d'agriculteur, j'ai trait les vaches à la main quand j'étais petit, donc je sais ce que c'est que de traire des vaches à la main. Mais bien sûr, la traite mécanique, c'est évidemment plus confortable et moins fatigant, ça fait moins mal aux bras, notamment. Mais en même temps, vous voyez, je crois que ce qui se passe aussi quand on va à la ferme des 1000 vaches ou les fermes de 1000 vaches ou des choses comme ça, c'est que l'agriculteur n'est plus un agriculteur. C'est-à-dire, l'agriculteur devient un chef d'entreprise. L'agriculture tend à devenir plutôt une industrie. Hein. La plupart des gens qui travaillent dans ces grandes salles de traite robotisées, ce sont des salariés qui ont un emploi comparable à un ouvrier dans une usine. Hein. Sauf que, il se trouve que c'est des vaches qui sont au bout des machines, au lieu d'être je ne sais pas quoi d'autre. Mais ça ressemble de plus en plus à de l'industrie. Mais est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, parce que je pense que dans le métier d'agriculteur, il y avait aussi, et il y a encore, Dieu merci, heureusement, dans certaines activités, ce contact direct avec la nature, avec les animaux, etc., avec toute la pénibilité que ça peut entraîner, bien entendu, mais qui permet aussi, justement, d'être sensibilisé aux impacts environnementaux. C'est-à-dire que si on est... vous avez sans doute tous vu ces scandales, ces vidéos sur l'abattage des animaux et de la cruauté, etc. Et là, on voit bien qu'on atteint quand même un point où on est tellement déconnecté des animaux et de la nature qu'on arrive à traiter des êtres vivants d'une façon totalement inhumaine. Et jamais, je pense, on aurait fait ça il y a 100 ans dans le genre d'agriculture qu'on pratiquait. En tout cas, pas de cette manière-là. Mm-hmm. Je ne veux pas dire que tout était beau, que tout était rose et qu'il n'y avait aucune cruauté envers les animaux. C'est sûrement faux. Mais ce que je veux dire, c'est que le contact entre l'humain et l'animal, entre l'humain et la nature, fait qu'il y a une espèce d'empathie qui se crée et qu'aujourd'hui, avec la mécanisation, ce lien empathique n'existe plus. Alors là, complètement d'accord. Et,
et je dirais c'est même globalement notre civilisation, c'est complètement déconnecté de la nature. Et ça, c'est un grand problème. Alors, on a un comportement un peu schizophrène. Pourquoi à Pâques, on veut tous avoir notre agneau pascal. Tous, on va manger l'agneau pascal. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait ce qui s'est passé à Mauléon, pour ceux qui ont vu, parce que ça s'est fait ici. Ça fait des situations où on demande à des hommes qui sont que des hommes et qui font l'abattage, on leur demande de faire deux fois plus d'abattage pendant une période très courte, et ça débouche sur ce qu'on a vu à la télévision, et c'est affreux. Mais il faut voir aussi, parlez-en avec des gens, que le métier d'abattage tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est un métier affreux. La nature elle-même est un peu cruelle aussi. Hein. Non. Oui, mais non, la nature n'est pas cruelle. La nature, elle a ses lois. Les animaux, un lion mange un animal, mais un lion n'exerce pas de cruauté quand il mange une antilope. Il le mange parce qu'il a besoin de la manger, mais sans cruauté excessive. Je crois qu'il ne faut pas... il ne faut pas confondre. Je veux dire, moi, je ne suis pas végétarien. Je n'ai rien contre le fait qu'on tue des animaux pour les manger. Je dis simplement qu'il faut faire ça de manière humaine, c'est-à-dire avec empathie, en évitant la souffrance, etc. C'est tout simplement ça. Il ne s'agit pas du tout de blâmer, etc. Je dis simplement que le progrès technique, la mécanisation, etc., introduisent une telle distance entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'animal, qu'on finit par oublier qu'on a affaire à des êtres vivants et on les traite comme des choses. Et c'est ça qui est horrible dans l'affaire. Très bien. Donc là, on fait une petite conclusion sur cette partie-là. On y reviendra sur les questions qui auront lieu donc à la fin, après le débat, proprement dit. Et les OGM, on n'en parlera pas parce que c'est un thème en soi et qui pourrait amener beaucoup, beaucoup de questions. Mais je pense qu'on va passer maintenant au deuxième volet sur la raréfaction des matières premières. Et donc là, je vais laisser introduire le sujet donc, par Benoît. Et peut-être que tu veux la diapositive suivante. Non, mais juste, alors, illustration, effectivement, la raréfaction des matières premières. Je vais quand même vous parler essentiellement des métaux. Et vous avez deux photos ici qui illustrent l'impact environnemental que peut avoir une exploitation minière. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, une exploitation minière, c'est ce qu'il y a de plus affreux en point de vue environnemental. Alors, vous avez d'un côté l'impact des trous que l'on fait. Vous avez une mine où on voit un engin et puis la taille. Et encore, elle est petite celle-là, mais on voit des trous de l'ordre de 1 km de diamètre dans certaines mines. Et puis, vous avez à côté une rivière qui a une jolie couleur. Hein. C'est une jolie couleur, mais pas tout à fait habituelle. Et cette jolie couleur, c'est parce qu'effectivement, en amont, il y a une exploitation minière et qui a dégagé du soufre. Et ce soufre s'est transformé en acide sulfurique, a récupéré un certain nombre de métaux qui se sont dissous et qui ont fait cette jolie couleur. Et le pH de cette rivière, hein, le pH, l'acidité de cette rivière est probablement entre 2 et 3, donc absolument pas vivable. Hein, c'est juste pour montrer, c'est ce qui se passe et c'est... le drainage mini-acide est bien connu par tous les gens qui font de l'exploitation minière. Jacques, tu veux intervenir sur cette... Oui, non, je voulais juste peut-être... Je partage ce constat. Je veux juste, dans un registre très proche, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, je crois que c'était hier ou avant-hier, un article sur les puits de pétrole et de gaz abandonnés en Amérique. Une étude vient de sortir montrant que dans le seul état de Pennsylvanie, il y a entre 400 et 750 000 puits qui ne sont plus en activité, qui ont été creusés pour extraire du pétrole ou du gaz. Et de ces puits s'échappe du méthane en quantité tout à fait considérable. Bien. Donc, alors, tu vas me passer les suivantes. Alors, celle-là, c'est un extrait du livre « Quel futur pour les métaux ?». C'est juste pour illustrer qu'on a quand même un problème. Alors, effectivement, c'est le progrès technologique. Vous voyez la consommation de minerais de fer, des grands métaux comme l'aluminium, le cuivre. Et quand on regarde ces courbes, on voit que c'est carrément exponentiel. Et l'accélération brutale que l'on voit à la fin, c'est le développement de la Chine et de l'Inde. Parce qu'effectivement, quand un pays se développe, il utilise du fer et de l'aluminium. Alors on se dit, quand le monde est fini,
et on sait que le monde est fini, et qu'on a des consommations comme ça, on dit qu'il y a quelque part, il va y avoir un problème. Et aujourd'hui, et tu vas me passer la suivante, aujourd'hui, le problème, on peut le synthétiser sous cette forme-là, ce qu'on appelait le cercle, non pas vertueux, mais vicieux, entre ressources minérales et énergie. Quand on est allé chercher des métaux, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller chercher les métaux les plus facilement accessibles. On a trouvé, on a commencé à trouver de l'or natif. On trouvait des pépites d'or. Et puis après, ben, on est allé chercher de l'or un peu moins concentré. Et aujourd'hui, on en est allé chercher de l'or avec 2 grammes d'or, 3 grammes d'or, 4 grammes d'or pour une tonne de cailloux. Donc 3 grammes d'or pour une tonne de cailloux. Vous voyez, ça fait extraire beaucoup de cailloux pour aller chercher 1 gramme d'or. Donc les minerais sont de moins en moins concentrés. Et c'est vrai pour le cuivre et c'est vrai pour tous les métaux. Si les minerais sont moins concentrés, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, il faut plus d'énergie parce qu'il va falloir concasser beaucoup plus de cailloux, les mélanger. Donc on va avoir de plus en plus d'énergie. Après, on peut discuter, mais je crois qu'on est à peu près clair sur le fait que l'énergie, au moins fossile, va être de moins en moins accessible. Et puis l'aspect aussi qu'on oublie, c'est que produire de l'énergie, et que ce soit de l'énergie fossile ou de l'énergie renouvelable, produire de l'énergie, ça consomme beaucoup de métaux. Aujourd'hui, pratiquement 10% des tuyaux, enfin de l'acier utilisé, est utilisé pour produire de l'énergie fossile. Que ce soit des plateformes pétrolières, que ce soit des tuyaux, que ce soit des transports. Pourquoi ? Parce qu'avant, on allait creuser à quelques centaines de mètres. Maintenant, on va en offshore et on va creuser à 4000 mètres de profondeur. Et puis, il faut un pipeline pour amener ça, donc ça consomme. Mais, et malheureusement, les énergies renouvelables sont dans le même cas. Aujourd'hui, une éolienne, ça consomme beaucoup de métaux, y compris des métaux, on appelle des terres rares, qui nous posent quelques problèmes géopolitiques, même si les terres rares ne sont pas aussi rares qu'on le dit. Mais ça, je pourrais rentrer dedans si vous le voulez. Donc, il y a cette espèce de cercle vicieux qui est en train d'arriver et qu'effectivement, quand on regarde le projet, on revient à ta première slide, qui nous montrait, non, mais juste la voiture et toutes ces choses-là. Si on veut développer tous ces appareils-là pour tout le monde, on va avoir un problème. On a un problème. Aujourd'hui, un certain nombre de métaux, comme le cuivre, c'est moins de 40 ans de réserve. Alors, moins de 40 ans de réserve à des coûts raisonnables. Si on va chercher, effectivement, à des coûts double ou triple ou quadruple, on aura peut-être un peu plus de réserve. Mais il y a des métaux sur lesquels on est à 20, 30, 40 ans de réserve. 20, 30, 40 ans, c'est juste le temps, et ça les économistes le savent, c'est juste le temps éventuellement de faire un changement de paradigme. Jacques ? Oui, non, là, moi là-dessus, je ne conteste pas. Je crois qu'aujourd'hui, le constat, c'est celui-là. On voit bien que pour l'énergie, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'énergie fossile de plus en plus loin, de plus en plus profond, à des coûts de plus en plus élevés, et que pour produire un kilowatt d'énergie, il faut de plus en plus d'énergie. Et donc, il y a là quelque chose qui constitue une vraie limite. Alors, l'une des questions, justement, c'est est-ce qu'on est capable de progrès technologiques qui nous permettent de rompre ces cercles vicieux-là. Parce qu'au fond, ça, c'est un certain type de progrès technologique, un certain type d'évolution et d'organisation de nos sociétés qui n'est pas forcément le seul. Après tout, l'histoire de l'humanité nous enseigne qu'il y a eu toutes sortes de modes de vie, toutes sortes de civilisations, que certaines ont été extrêmement brillantes et prospères tout en n'ayant pas ce genre d'artificialisation et de technicité et de mécanisation, etc. etc. Je crois qu'aujourd'hui, il est clair qu'on est excessif dans un certain nombre d'usages de la nature, dans un certain nombre de consommation de ressources, et que donc il faut repenser notre modèle, ça c'est sûr. Mais sur ce cercle vicieux que tu nous présentes, Benoît, qui est assez alarmiste, donc quel est par exemple le problème qui va nous arriver le plus vite sur les terres rares ou sur les métaux ? Alors oui, je ne sais pas si c'est le lieu ici de rentrer sur les détails. Alors juste un petit point sur ce qu'on appelle les terres rares. Contrairement à ce qu'on peut penser, les terres rares ne sont pas des métaux si rares que ça.
C'est historiquement, on les appelait les terres rares parce que c'était des métaux qui étaient extrêmement difficiles à séparer les uns des autres et que les minéralogistes ont dit, tiens, c'est un truc un peu bizarre. On en faisait de la pierre à briquet parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et il a fallu attendre les années 70 que les technologies de séparation nous permettent de récupérer du néodyme, du lanthane, du praséodyme, tout un tas de produits qu'on voit aujourd'hui maintenant dans nos téléphones portables, dans les technologies de l'information et de la communication et dans les technologies de l'énergie. Non, mais l'enjeu, puisque je vois que dans quelques minutes, on va laisser la parole à la salle. L'enjeu, je crois que c'est ce que dit Jacques. Alors, il a dit le progrès technologique. Moi, je dis le progrès, il y aura peut-être des technologies, mais il faut autre chose que de la technologie. C'est Patrick Vivray qui utilise beaucoup le terme d'hubris et qui parle du fait de cette volonté d'avoir toujours plus, toujours plus. Aujourd'hui, on arrive à un moment où on se rend compte que si on va toujours plus, on va droit dans le mur. Et alors, je vais juste en clin d'œil, si tu peux me mettre la dernière, parce que je crois que tu l'avais mis, voilà. J'ai mis en clin d'œil un petit livre que je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, d'acheter. C'est une famille qui est à Osgore et qui est devenue famille zéro déchet. Mais il y en a d'autres livres, j'en ai mis un deuxième aussi. Il y a Bea Johnson qui fait un carton aux États-Unis avec la fée. On voit arriver effectivement une réflexion, on va dire finalement on ne peut plus faire comme ça. On va essayer d'aller vers le zéro déchet, réduire la quantité de déchets. Et en fait, l'enjeu, c'est changer de regard. Alors là, c'était pour les entreprises, mais pour les citoyens. Il faut changer de regard et se dire que cette avancée à fond vers le progrès technologique sans se poser de questions, ben maintenant, il faut se poser des questions parce qu'on a des murs qui sont en train d'arriver, on les voit arriver. On voit des gens qui sont en train de revenir à des modes de fonctionnement qui, comme le dit Jacques, ont fonctionné, et que peut-être c'est là qu'il faut trouver l'équilibre. Et que c'est peut-être pas, je dirais, le progrès technique avec l'utilisation de ressources qui va nous permettre de vivre mieux. Très bien, merci pour cette conclusion. Benoît, Jacques, aussi une conclusion avant de terminer ce débat. Oui, non, mais moi, on a été peut-être un petit peu catastrophiste sur un certain nombre d'évolutions. Je crois que ce qui s'est passé au cours des dernières décennies ou même des deux derniers siècles, c'est qu'au fond, on a cru que les ressources naturelles de la planète étaient illimitées. Donc, on a eu tendance à les utiliser de façon déraisonnable, notamment parce qu'elles étaient peu coûteuses. Aujourd'hui, elles deviennent plus coûteuses. Ça ne veut pas dire que le progrès technique ou le progrès technologique n'est plus le bienvenu. Ça veut dire, je crois, qu'il faut réorienter le progrès technologique dans d'autres directions. On voit bien, par exemple, qu'il y a tout un tas de développements scientifiques et de mise au point de tout un tas de matériaux à partir, par exemple, du vivant, à partir du carbone, à partir de choses comme ça, qui permettent, dans une certaine mesure, d'aller moins vers les ressources minérales et d'utiliser davantage de matériaux naturels, etc., etc. Mais ce qui est certain, c'est que, pour revenir sur ce que disait Benoît, la question de ce que certains appellent la sobriété, c'est-à-dire être heureux avec un peu moins, ou en tout cas ne pas vouloir toujours plus, ça c'est quand même, je pense, quelque chose qui va une question qu'on va devoir se poser. Et si tu me laisses juste un petit... quelques secondes. Une petite publicité, parce que je trouve effectivement, pour le livre de Jacques et d'Éloi Laurent, je pense que ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est qu'on a les mauvais indicateurs. Hein, c'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, on a un indicateur qui nous fascine tous, c'est le PIB, enfin, qui nous fascine tous, dont on entend parler tous les jours, c'est le PIB. Ce qu'avait montré le livre et qui était passionnant, c'est qu'il y a d'autres indicateurs, et quand on prend d'autres indicateurs, on arrive probablement à des modes de fonctionnement différents parce qu'on ne se focalise pas sur ce genre de choses. Voilà, c'était la minute de publicité. Mais je dis vraiment très volontiers parce que c'est vraiment extrêmement important. Si on n'a pas les bons indicateurs, on ne va pas au bon endroit. Bien, donc j'ai compris qu'il fallait qu'on change de paradigme. Voilà, donc on clôt le débat avant de passer aux questions. Ah, y a une petite musique, c'est ça ? Voilà, on attend le générique. Thank you.
Est-ce qu'on peut demander à la technique de nous baisser un peu les phares là, pour qu'on voit un peu les... Ah ouais. Bien, donc, après, c'est...